Hey yo tout le monde, du coup, on va continuer ce qu'on vient de stopper. Enfin, au moment où je stoppe, j'arrête. Ah, ils ont pas changé leur équipe aussi, ouais. Bon, eux, on doit gagner, ils sont en relégation aussi, pas loin là. Au 15e. Après, ils ont encaissé. Ok, ouais. En fait, on a la pire défense, je crois. Avec le salaire, ouais. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des trous comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tenas qui a pris son point d'ailleurs. Merci Tenas, hein, évidemment. Tenas qui tire un péno. 15 de penalty. Effrayant. Dans le match 2. Ok, ouais. On va être le retour de Kenan sur la table de Titu. Va reposer Hector quand même. Moi j'ai envie de mettre le capitaine à Tenas. Je sais pas, Warichi. Richie est jeune, hein. Peut-être Richie, je mise vraiment sur le long terme. En plus, le frérot, il a 19 ans. Va le mettre à Tenace, allez, vas-y. Je pense qu'on va moins parler, parce qu'on a beaucoup parlé à l'épisode d'avant. Voilà, c'est le moment qu'on attend tous. Annulez vos rendez-vous, mettez-vous en mode avion parce que il faut profiter de ça. Le match qu'on attend tous est sur le point de commencer. À quel genre de spectacle va-t-on assister? Est-ce qu'on va vibrer? Est-ce qu'on va être déçu? En tout cas, la Terre peut bien s'arrêter de tourner, oui. Nous, on veut savoir ce qui va se passer. Allez. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Voilà, pour essayer de faire quelque Moi je veux chose avec juste ce ballon. gagner là, juste gagner. Tout ce que je demande, juste gagner. Occasion avec cette frappe. Eh oui, le bon réflexe. Ballon vers la surface. Corner mal tiré, balle au gardien. Taylor. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Sa spécialité, les frappes super puissantes depuis le fond du jardin. Cette capacité à téléguider le ballon, à régler sa frappe jusqu'à atteindre la cage adverse. C'est assez incroyable et terriblement dangereux. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. La position de hors-jeu signalée, il y a un peu de précipitation dans la passe. Et c'est pas grand-chose, 1 ou 2 secondes trop tôt. Et une blessure, mais qui On précise, court. ballon récupéré. La tête là, peut-être un centre. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Le corner. À la parade, mais le danger est toujours présent. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Oh, c'est contré!
Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis un quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. Et c'est le signe que l'équipe a décidé d'accélérer le rythme pour essayer de prendre l'avantage. Ah, mais là, il va falloir se mettre un petit peu à défendre. Ah, le ballon récupéré sans commettre de faute. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Ouais, bien joué, allez. Ça circule bien. Ah, bonne couverture de balle pour conserver la possession. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Il est passé. Pour Colombo. Hors-jeu. Non ? Position de hors-jeu. Ouais. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Voilà une première période assez honnête de sa part. Putain, Juve Milan, c'est à 18h, je suis dégoûté. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu va sûrement en jeu dans ce match. Si une des deux formations va prendre un ascendant. Que Scudetto est déjà acté. Pioli, on sait qu'il va être viré. Allegri, la même. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Oh, putain. Le choix du tir en finesse était une bonne option pour s'en sortir dans ce duel. Mais c'est malheureusement manqué. Et ça s'affiche. On en profite donc pour vous rappeler ce qui nous attend. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Et ici l'occasion pour mener. Très belle frappe, mais de peu. J'ai beaucoup aimé le schéma de passe. Attention, il y a un but qui vient d'être marqué sur un autre terrain, c'est dans le match de l'Inter Milan. Oui, oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur de l'Inter, un but de Victor Osimhen, même si ce but fait suite à une déviation. Ça fait donc un but partout après 58 minutes de jeu. Ah, merci Laure, et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Bon. Un peu ennuyant le match. Assez bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. Ah, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Taylor.
très bonne position. Oh, la bonne parade. La parade réflexe là. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes. Le public s'est fait entendre avant ce corner, première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. C'est dégagé sur ce centre. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Allez Hector. Et le face à face à venir. Ton premier ballon frérot. Goal, let's go. Goal, goal. La délivrance dans cette fin de match. Un but important à un moment clé. Let's go. L'avantage. 1-0. Ça donne une autre dimension, une autre saveur pour la suite. Il faut avoir une lecture tactique raffinée pour les dernières minutes. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Pedro Neto. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. La frappe et la belle parade là. Long ballon aérien, la défense se soulage. L'attaque se poursuit, balle au pied. Allez, ce corner, c'est peut-être l'occasion d'égaliser. Et un changement donc. Attention, le bon ballon là. Un petit rappel là de ce qui nous a... Oh Hector, Hector trop fort. Allez, c'est 2-0. Ah ouais. But, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match. Hector le coûte. Il est intenable, insaisissable. Depuis le début, dans sa tête, c'est clair. Je ne dribble pas, je joue en force. Dans l'exécution, c'est parfait. On signale un but dans une autre rencontre. C'est dans le match de l'Inter Milan. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de l'Inter. Au total, ça fait donc deux buts partout entre les deux équipes. Alors qu'on joue depuis. But de Pavard. Merci pour l'info. Benji Interista. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ouais, bien fait, il est passé. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et ça sera 2 minutes de temps supplémentaire. Ah, dommage. Ballon intercepté. Bon, au moins c'est gagné. Même si on en prend un là, c'est gagné. Taylor. Et le centre est détourné par la défense. Fini. Allez. Terminé, la fin du temps réglementaire et l'équipe en déplacement signe. Notre première victoire, frère. C'est une victoire nette. Le signe d'un match parfaitement maîtrisé. Ouais. Échoppe payant. 1-1, 2-2, 3-0. Ok. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Il ne jouera plus. Alors, parce que ah oui prêt. Par à Palerme. Amuse-toi Goth. Alors, moi je suis à court terme. Alors.
On a quitté la zone rouge, c'est mieux. Allez, 60-40 ça me va. Pour ça, je négocie pas un 65-35, ouais, c'est ça. Et bah, t'auras le choix entre les deux, frérot. Voilà. Mensuel qui va arriver là, non? Nice. Mensuel là. Même pas en rêve, toi. Allez, je vais le prendre. Alors, t'auras une chance. Jouer contre Bianchi et lui, évidemment que c'est lui qui va jouer. De toute façon, il va partir au mercato, autant le faire maintenant, ça. Même celui-là à moins 3. Je pense que c'est mieux. (Rire) 4-0 la Lazio, putain. Oh, Inter, let's go les gars, 3 fois ça la Juve. Chez. Du coup, ils reprennent le titre, ça je m'en fous, mais... Chez. How is this possible? Juste sauvegarder. J'ai envie de faire un truc rapide pour mon compte Monza. Pas envie de le jouer. Surtout si on veut atteindre la Juventus aujourd'hui là. Oui, bon, on le fera sans problème. Mais je vais affronter la Ludinese. Ah, oh, j'arrive jusqu'à là, c'est Milan, frère. Est-ce que la compo me plaît comme ça? Ouais. Juste mettre Bianco à la place. Quoique, je vais laisser la compo de base. Lukronic. En fait, ils sont pas le tranchant, du coup, je vais laisser la compo de base. Oh non! Ok, merci. De Kronic, ok. 3-2, ok. Je voulais faire simulation, c'est rapide, mais genre. Pas rapide, genre l'autre là. Stravienne, ok. Et en plus, il y a la Juve après. Mais pas trop la pression, TKT gros.
Hein? Oh la vache. Oh, cette compo de Golemon. Oh la vache. Mais attendez pas. Voilà. Ah, je vais la prendre en photo, je m'y attendais tellement pas. Tu sais, c'est un 3-4-3, mais c'est un vrai 3-4-3 bien. Bien. On va expliquer. Ah. Mettre Kenan en 10. Il est rapide Fioré, non? Je joue en orange. C'est inévitable, tout le monde parle de lui. Et il faut dire qu'avec ses 3 buts en 3 matchs, il est en pleine forme actuellement. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. C'est parti. Avec des vrais stades et pas nous. Et on va regarder la composition de cette formation. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Ouais, donc on découvre la compo des Sénators. Je vais changer tout de suite de compo. Le 4-4-1-1 là, il était où? En dessous, non? Ouais, au pire, non. Comment j'ai changé? Passer comme ça. Et genre tout de suite. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Afif. Ouais, dans la profondeur. Et le match peut basculer. Pas beaucoup de temps pour tirer. Ouais, superbe défense. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. Déjà 3 buts en 3 matchs, ça fait un bon rythme de croisière. Quoi? Et voilà ce but! Oh les gars! Premier but inscrit dans cette rencontre! Et les voilà donc qui mènent maintenant! 1-0 donc au tableau d'affichage. Pour Colombo. Ouais, c'est très. Pour Colombo, frérot! Pour Martins. Ça c'est bien wesh. En bas il était tout seul. Ouais, bien joué, ça circule bien. Akram Afif. Voilà, ça c'est un bon centre. Oh le pétard. Avec cette reprise de volée. Mais mec, il était trop fort. Kenan. L'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Mais Kenan. Oui, mais excuse-moi. Voilà,
nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue. C'est pas Kenan, c'est Colombo. Pardon. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile. Non, c'est Kenan, pardon. Non, non, j'ai rien dit. Il fallait être là. Non, c'est Kenan. Oh, le missile Kenan, je suis choqué. Affif pour Kenan, incroyable. Le concentre là, peut-être. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Kronić. Oh non! Victor! Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Ah, mais Victor, putain! Victor! Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Ouais, le centre dans la boîte et la frappe peut-être. Oh le poteau. Le montant, ça joue. Oh le poteau. Ouais, la défense s'en sort. Kronić pour Colombo. Qui a poursuivi son effort, c'est magnifique. Et le ballon vers la surface de réparation. Ah mais là il est tout seul le frérot là. Ah non, ce ballon est perdu. Mec, c'est en attaque défense. Puis c'est pas trop mes joueurs s'il te plaît, on a la Juve derrière. Hector, il va sortir à la mi-temps, je te le dis. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. En bonne position. Ah, le ballon traîne, attention. Non, c'est criminel ça. Putain. Mec, passe en retrait, but, hein. Vraiment. Hein. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Je vois Hector en forme face à la Juve. Bien fait, très bonne protection de balle. L'occasion de prendre l'avantage. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Un corner qui est bien ajusté. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Akram Afif. Et un ballon. Oh la passe était magnifique, elle dommage. Bien anticipé ce ballon en profondeur. Elle était un chouïa longue, mais elle était parfaite sinon. La passe était dure donc on a dit franchement magnifique. Les Sénateurs qui peuvent se projeter. Il faut bien négocier ce ballon là. Oh, tire sur le gardien. Ce sera donc un corner. Ouais, je suis d'accord. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Ballon vers la surface. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Mec, c'est Kubarsi qui est à l'attaque là. Radokonic. Très bon geste défensif. C'était risqué. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Alors, j'ai pas envie de lui porter la poisse, mais pour l'instant, sa performance. Elle est très convaincue. Oh, l'occasion de but. Non, oh la réussite. Et c'est au fond, voilà. Je suis écouté. Ça leur permet de reprendre l'avantage et la rencontre est relancée. Ça va me permettre de perdre ça. Mec, on a tellement d'occases, c'est trop triste. Pour amorcer une attaque là, les Sénateurs. Bon crochet vers l'intérieur. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Krunic. Super progression dans la moitié adverse. Oh, c'est bien. Je pense que ça existe les 4, 1, 3, 1, 1.
en vrai, je suis sûr que ça existe. Ça a dû être tenté. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Pour Campbell. Un petit rappel là de ce qui nous attend prochainement, ce match très intéressant à venir. Ça la Juve, oui. Quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est belle un passe. Match qu'il ne faut pas manquer. Pour aller fixer dans l'axe. Trunic. Tire. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Kenan, je vais le laisser. Il jouera pas le prochain. Il jouera pas contre l'ancien club, c'est pas grave. Ah, le corner bien tiré. La défense éloigne le danger sur ce corner. Mais comment c'est possible ça? À jouer seulement dans cette partie. On va en faire le nul les gars. Attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. C'est une différence minime entre les deux équipes. Les choses peuvent encore évoluer dans les dernières secondes. Kenan, il joue partout, il court partout. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Ballon pour égaliser. Oh. Magnifique ce contre. Il a loupé son tir. Et c'est normal. Quoi? Pour le célébrer. Elle est très importante, cette intervention. On n'a pas la corner là? Apparemment non. Et ce ballon est finalement intercepté. Belle tentative, mais sans. C'est fini, fais chier. Et c'est donc là-dessus que l'arbitre siffle la fin de cette. Ah, oh, je suis dégoûté. Kenan, il fait un putain de match. On a fait un montant et il loupe son tir à la fin, je suis dégoûté. En plus il a mis son but hein. Ah le bloc de son par contre est effrayant. Hein. Tout le monde a été bon. Putain c'est dommage. Hein. Franchement, c'est dommage, Kenan était exceptionnel. J'y songerai. Frérot, t'es mort, tu peux pas. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ça là. Ils ont Vitinha aussi. Jellington. Pellegrini. De Silio. De Silio. Offensif clé Vitinha, ok. Chiesa remplaçant, ça c'est effrayant. Kayo Georges de retour, il est là. Moi j'aurais bien voulu chez nous, il était trop fort. Kayo Georges chez nous était trop fort, je suis dégoûté. Ah, ça aurait une branlée par contre. Au moins, on a fait deux victoires, on est ressorti de la zone. Allez, Putain, les joueurs sont cuits, bah ouais. Bianco, tu peux assurer ce rôle ou pas? Ouais. Kenan, je pense être en bonne forme, les 48 frérot. Une autre compo. Hein.
Pafundi là, ouais. Kayode et Richie, ils vont crever. Hein. Ah, du coup, c'est Richie qui est passé là, ouais. C'est plus logique. C'est plus logique. Limite, même si on passe en 3-4-2-1, par exemple, Richie pourra passer en défenseur central avec Coyote. Genre, défense d'Angelis, Richie, Coyote. Ah ouais, ouais. Hein. Ah, mais j'ai personne à replacer là. Hein. Parce que lui, il est trop faible. Hein. En pire, Richie. Hein. Parce que, ouais, non. Ah, même pas. Hein. 84-1, c'est le mieux là. Hein. Ah, malheureusement, ouais. Quel match, quelle partie d'assaut nous attend. Ça fait déjà un moment que tout le monde en parle. On est content d'y être enfin. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Excellente couverture de balle. Et on découvre la composition de la Juventus. Un gros crâne d'Allegri là. Non, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bon, c'est ça que je voulais vérifier. Attends, je vais regarder leur compo en même temps. Oui, ils sont en 4-3-3 off. Kin à gauche, ok. Vlahovic, ça là, oh putain. C'est mal ça. Y'a même pas Chiesa en plus. T'imagines Chiesa à la place de Kin? Ok, si tu veux. Même qu'ils en 10, ça aurait été plus fort, mais vas-y. 16, 83, 78. Ah, Rovella est revenu. Tu es prêt? Ok. Ah, donc on découvre la compo des Senators. Projection vers l'avant pour les Senators. Vers l'intérieur. Oui, oh, c'est fort. Oh là là, c'est loin du but et c'est pas si surprenant dans une telle position. Le football, ce n'est pas seulement frapper au but, c'est aussi prendre les bonnes décisions au bon moment. Là, c'est raté. Faire ça. Thiago Diallo. Ballon pour Vitinha. Ils sont en 4-3-3 off. Ah, bien joué, bonne intervention. Pas trop de choix en plus au vu de nos joueurs fatigués. Pour Colombo. Bah, c'est pas parce que c'est un défensif que ça attaque pas. Hein. Il faut centrer là-dessus. La preuve. Il y a eu pas mal de buts en étant en formation défensive. On va dire que c'est une formation plus sereine, on va dire, défensivement. Ce qui est vrai, hein. À part aux autres formations, à part la très défensive. Et oui, il est là, le très bon geste défensif. Le ballon sort en corner. Un corner qui est bien ajusté. Et le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Et la défense s'en sort. Salah. Vlahovic. La course au titre est lancée en haut du classement. On a au moins 3 équipes en 6 points. Oui, on est encore à la mi-saison, mais espérons que toutes les équipes tiennent le coup. Ça risque d'être un peu long, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner.
Attends, mais Richie, il joue milieu de terrain, là. Ah oui, parce que j'ai fait ça. Oui, parce qu'au final, ça, je peux jouer comme ça, ouais. Ah, pas Fundy. Ouais, non. J'avoue, j'avais oublié. L'attaque se poursuit, balle au pied. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Oui, bien fait. Le danger. J'avoue, j'avais oublié. Allez, boum, un bon dégagement en touche, le temps de se replacer en défense. Une possibilité là pour centrer. C'est pour ça que j'avais remis en 4-1-4-1. Et pas en 4-4-1-1 ou quoi que ce soit. Circulation là pour déstabiliser la défense. Et le bon centre en retrait. A toujours en possession du ballon. Je me posais la question qu'ils aient avec le numéro vu qu'il n'y a pas le 14, mais le 14 c'est en Italie. Il a le 7 qu'ils ont. Oh. Oui, non, il a le 7, oui. Mais c'est ça. Akramafif. Voilà, ça c'est un bon centre. Oh. Le premier but du match. La récompense pour une domination. Gotesque Colombo là. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien. Putain, incroyable. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient. Trop chaud. Logé au fond des filets. Deschilio. Joe Linton. Vlahovic. Vlahovic avec le ballon. Et ça arrive pour Vitinha. Oui, bien placé là. Et voilà la réponse. L'égalisation. Quel match fou. C'est le mec avec le moins homogène qui répond. Images, le défenseur s'est troué. Dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement. Oh la vache. Qui absorbe toute l'énergie. La glisser. La revoit, elle est imparable. Petit crochet, il revient à l'intérieur. Oh oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Mec, c'est quoi ces trois buts d'un fou d'un coup là? Surtout ces deux-là là. On va voir si la vieille dame va revenir dans ce match. Truc de ouf. Allez, il récupère ce ballon. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est dommage. Oh, la passe est pas bonne. Hein. Excellent timing sur cette interception. Mattia Deschilio. Wellington. Deschilio. Le ballon pour Mohamed Salah. Oui, le ballon est intercepté. C'est bientôt le retour au vestiaire et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour l'équipe visiteuse. C'est un match intéressant. Ce but d'écart pour cette équipe, c'est un avantage. Mais attention à ne pas se faire surprendre juste avant la mi-temps. Le ballon circule bien. Allez, il faut la tenter. Parade hallucinante à bout portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Corner. Ah, c'est une bonne opportunité de la tête. Malheureusement, ça passe légèrement au-dessus. Vlahovic. Moïse Kean. Ça joue avec Salah.
Mais il a fait de la tête, non? Il est hors de la surface surtout, non? Ah non, c'est... Ah oui, ok. Je croyais que c'était la tête. Ça là. Ouais, bien joué. Pénalty transformé, très bien exécuté. Énorme. Mohamed Couscous. Mohamed Couscous, quand il pète, il fait de la mousse. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Moïse Kine. Ok. Le coup de sifflet de l'arbitre. Attends, 2-2 à la mi-temps quand même. On a réussi à marquer, ça qui est ouf. Moi je trouve qu'on joue bien. Allez, c'est reparti, la deuxième mi-temps. 3-27-29, frère. Je viens de dire, là, Léon de 7ème, là. Pas fou. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Pour Moïse Kine. Ah, énorme occasion pour prendre l'avantage. Oui, bien fait de la part du gardien. Le public s'est fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Ballon vers la surface. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Les gars, mais bande de cons. Mais... Et on lève la tête, là, peut-être un centre. De devenir fou, hein. C'est quoi cette équipe de Gaulmont? La bonne percée, il faut aller provoquer. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Tiens, on prend un but derrière à cause de ça parce qu'il l'a récupéré. Ah, il peut prendre sa chance. Oh, le ballon là qui est repoussé. Heureusement, il a été tenace, hein, putain. Joe Linton. Oh, bien placé, Vlahovic. L'intervention du gardien. Thiago Diallo. Le ballon pour Mohamed Salah. Le centre de Salah. Cabezazo! C'est magnifique. C'est qui a mis ça? Il finit sa course dans les filets. Très beau but. Ah, c'est Vlahovic? Le score est donc de 3 buts à 2. Ah, ok. Wow, c'est rouge. Non? Bon, c'est juste jaune. Quoi? Plutôt que la répression, c'est pédagogique, ça me plaît. Par contre, c'était clairement carton, les gars. Hein. Voilà, on prend par derrière. Juste le temps de vous rappeler qu'on aura le plaisir. Il joue pas la balle. Pour ce match à venir, quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Et le ballon est finalement intercepté. Akram Afif. Magnifique ce contre. Vlahovic. Luca Pellegrini. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Moïse Kine, elle veut frapper Moïse Kine. Et c'est au fond. Voilà le but du break pour les Juventini. Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. On va avoir la pire défense, hein, c'est officiel. Hein.
Ah, il est passé sur ce bon geste. Et une possibilité là pour centrer. Allez, pas le pied, il faut. Il se retourne bien lui hein. Akram Afif. Et j'en profite pour vous rappeler le programme qui nous attend. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Et les adversaires pressent. Thiago Diallo. Pellegrini. Elle court plus qu'Ayade. Il doit être mort. Oh, pas tant que ça finalement. Matroméo. Cazadei. Hein. Oh, désolé frérot. Hein. J'ai pas envie de faire rentrer les autres quoi. Tire aussi on peut. À suivre. Et le staff décide donc de faire un changement. Et une attaque intéressante pour la Chiesa. Il a juste enfoncé le clou lui. Ballon pour Moiskin. Non. Pas Chiesa. Et la pression pour empêcher la relance. Dommage, t'es bien joué. Federico Chiesa. Et le bon centre là peut-être. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Le ballon pour Federico Chiesa. Ah, le public attend une frappe. Oui, bien défendu. Pour Colombo. Il est passé où Chiesa, je comprends pas. Ah, ok, 4-3-2, ok. Pas con. Pas con, pas con. Mais lui, il jouait pas en attaque au début, lui. Non. J'ai plus. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Attention, l'occasion pour revenir. Non, poteau. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Frère fonce. Mattia De Chilio. Oh non, les gars. Non, mais si c'est le bot qui se met à faire ça, frère, je l'ai fait. Ah putain. La fin du temps réglementaire et oh, c'était un beau match quand même. Non, c'était un beau match. Si ce n'est que l'équipe a été dominée dans tous les secteurs du jeu, elle n'a pas. Franchement, c'était un beau match, rien à dire. Rien à dire. Udinese, j'ai pas envie de jouer. Hein. On va aller direct à l'AC Milan. Hein. Pinquier aussi, par contre.
Cazadei. Lui, on va le faire jouer aussi. Ok. Oh non, l'Inter qui perd le derby de Milan. Putain, on passe dessus. Oh putain. J'ai l'impression que Genoa ils font des nuls contre tous les gros. Je mate les scores depuis tout à l'heure. Ils font des nuls contre tous les gros, mais ils perdent contre tous les moins gros, genre tous les nuls. Ils ont pas gagné encore une fois, hein. Effrayant. Milan, Sarzan. Euh, 4-2-3-1 ça, non? C'est quoi? Ah non, c'est un 4-4-1-1. Attends. Ouais, je crois. Pas bien, hein. Ouais, on va chercher la Conférence League, hein, je vous le dis. On n'aura pas une place européenne là, cette année. Hein. On n'aura pas de place européenne, je vous le dis. Moi j'ai mis Roméo du coup. Il va rentrer dans la catégorie des matchs inoubliables. Ces matchs qu'on vit intensément. Et c'est pour ces moments que ce sport est grand, qu'on aime le foot. Faites-nous rêver. Afif. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Le monde de départ, côté Rossonero. Ouais, donc on découvre la compo des Senators. Qui ça, Palacios? Je connais pas. Ça régène? Je crois que j'ai coupé une tête, donc je crois pas. Non, je connais pas. C'est quel Palacios? Ok. Il n'y a plus Léo. Les yeux, tu es à gauche. Ah si, il est là. Ah, mais Hakim. Ah, il y a Okafor aussi, ok. Ok, pardon. Ils ont une équipe de terroristes. Enfin, de terroristes, pardon, non. Ils ont une équipe d'enculés, littéralement. Et c'est une frappe. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Oh, il y a encore le feu. Au travail de la défense, bien placé, aucun danger sur ce coup de tête. Ils ont l'équipe d'enculés. Et le match n'a pas encore débuté, mais on a beaucoup entendu. Avec Kronitch, hein, son ancien club. Pour la première fois, il va rencontrer son ancienne équipe et ça risque forcément de lui faire un peu bizarre. D'ailleurs, on l'a vu avant l'échauffement, discuter avec quelques anciens partenaires. C'est sans doute une sensation étrange pour Gabriel Jesus. Oh putain! Et oui, c'est dedans! L'ouverture du score! Quelques minutes de jeu et déjà quelques frissons! Ballon sur Kronic. Pour Colombo. Oh, bien rouge. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Ah, il résiste bien à la pression. En retrait. Dommage. Gabriel Jesus. Très bonne couverture du ballon. Ce ballon est intercepté. Radek Krunic.
L'action se poursuit. Rado Krunic. Krunic. Et il remporte son duel, bien défendu. Charles de Ketelaar. Et ça va sur Théo Hernandez. N'empêche, ils ont un bon côté gauche, même sans l'air haut. Quand même, hein. Bien joué, j'ai reçu le corner. Ce sauvetage maintient son équipe dans le match. Parce qu'avec deux buts de retard, je vais pisser. Plus la même histoire. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Gabriel Jesus. Bennacer reçoit le ballon. Bien défendu, sans faute. Radek Krunic. Voilà la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Et attention, la perte de balle là pendant la construction. Pulisic. Et ça va sur Théo Hernandez. Le ballon repasse par Théo Hernandez. Et une possibilité là pour centrer. Le ballon pour Gabriel Jesus. Ouais, ballon donné en retrait. Ah, sous pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Et c'est au fond. Les voilà. Avec un avantage de 2 buts maintenant. Et ça commence à être plutôt confortable. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Krunic. Pour Colombo. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Radek Krunic. Un ballon intercepté, bonne intervention. Gabriel Jesus. Il revient fixé à l'intérieur. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Pour Colombo. Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Allez, il faut faire quelque chose là. Et la belle parade là. Dommage, je viens de revenir et je viens de voir 2-0, je suis dégoûté. Gabriel Jesus. Théo Hernandez avec le ballon. Ballon pour Gabriel Jesus. Ça arrive pour Pulisic. Ah, dommage, il est signalé en position de hors-jeu. Et l'arbitre revient sur la faute commise au départ et brandit ce carton jaune. Oula, c'est rouge ça, non ? Pas vu. Non, c'est jaune. Bon, tant pis. Par contre, c'est très violent, fais gaffe. Hein. Ultra vénère, par contre. Hein. Théo Hernandez. Gabriel Jesus.
Avec Palacios maintenant. Et c'est pour Bennacer. Gabriel Jesus avec le ballon. Il peut frapper Pulisic. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. J'ai pas tout vu du coup, attends les stats c'est quoi? Oh c'est du kiff kiff. Mais bon, ils ont de meilleures notes. Ah ok. Attends, Bennacer a fait un putain de match hein. Putain. Le récital du Milan continue dans ce match. C'est la deuxième mi-temps qui démarre à l'instant. Des problèmes de caméra là. C'est bon, c'est la bonne là ? Non. 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 Bien wesh. En défense, belle anticipation. C'est elle. Donc en fait, j'étais là. Théo Hernandez. De Ketelaere. Ça continue avec Palacios. L'équipe progresse. Elle va maintenant essayer de mettre le danger. Salmakers. Gabriel Jesus dans la surface. Oh non. OK. À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Udoji. De Ketelaere. Salmakers. Impeccable le timing, l'interception est magnifique. Ça sort, c'est corner. Le changement de direction. Ah dans le chat, il casse ses couilles. Le tir est super barré. Le danger était réel. Le but semblait tout fait. J'allais même crier goal, goal. Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Et attention à ce centre. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Attention à cette occasion. Et le réflexe magnifique. Pas des changements à faire là. Crevé frère. Ah j'ai pas Esposito non plus. Ah je vais faire ça. Ouais je vais faire ça. Et le changement va donc avoir lieu. Et le remplacement peut avoir lieu vers le point de pénalty. Sans prendre de risque, la défense. Oh, wow. But c'est trop. Mais qu'est-ce qu'elle fait la défense? Elle est partie où? Tu as le ballon dans les pieds, il y a le feu. La seule chose que tu as à faire, c'est d'appeler les pompiers. Mais au lieu de ça, tu fais un cadeau à ton adversaire. Pour Colombo. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Et voilà une bonne récupération là. Pas dur. Hein. Match est très dur. Hein. Salmakers, bonne présence au contact. Le ballon est bien repris. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Ah, excellente couverture de balle pour résister à la pression.
à Dokunic. Très bonne parade du gardien, oui. Un peu de coaching avec ce changement. Et à haut. On est mort. Excellente prise de balle sur ce corner bien. On est mort. Pour Colombo. Interception et récupération du ballon. Comment Okafor il peut faire une saison à 25 buts, puis la saison après d'être sur le banc? Très bonne couverture. C'est que dans FIFA que ça peut arriver ça. Et le ballon change de propriétaire. Radek Krunic. Pour Colombo. Akram Afif. Rado Krunic. Oh dommage, j'étais passé à travers la première fois. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Afif. Les gars, au moins un but, s'il vous plaît. Ça continue avec. Je sais qu'on a perdu, mais. Krunic. Donne-nous quelque chose, une belle action, un petit but. On n'a pas vu grand-chose encore de la part de cette équipe. Tu veux faire quoi aussi en face là? Marrant, eux. Le ballon est intercepté. Il y a du soutien en attaque. Et c'est pour Bennacer. Oh, attention à ce ballon. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Colombo. Allez les gars. Putain. Aïe, les Sénateurs, là qui perdent le ballon. Bennacer. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. On s'arrête donc là-dessus. Bon. C'est la fin du match sifflé par l'arbitre. Fin du massacre, tu veux dire, oui. Pour la Sénilan. Ouais bon, dans la deuxième place de sûr, ok. Oh putain, je viens en plus. Héros, il y a plein de grands matchs, genre, et en plus t'es crevé. Oh putain, il est pas, ils sont pas au taquet, si. Ouais, c'est ok.
pas jouer comme ça contre eux. Ah merde, j'ai laissé 6 minutes, je crois. Bon, tous les gars, c'est le dernier match. L'objectif, c'est de sortir du groupe et de se qualifier pour la phase à élimination directe. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. La compo des Sénateurs. Et voilà, donc la composition de cette équipe. Et le bon centre là, peut-être. Il peut tenter sa chance. Et oui, but ! Déjà 1-0, ça part très fort, tout de suite. L'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé. Il va falloir réagir. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant. C'est elle qui vient casser les lignes. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Allez. Oh, il s'est bien servi. Oh. Il va repousser dans la zone dangereuse. Et au final, ça ne donne rien. Et évidemment, la grosse surprise de ce groupe, c'est l'incroyable parcours de l'équipe visiteuse. Oui, pour l'instant, l'équipe est dans une dynamique particulièrement positive. Ils prennent des risques, ils concrétisent. Il faudrait continuer sur cette lancée. Allez! Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Ah, super geste défensif, sans commettre de faute. Pour Campbell. Et ballon dans l'espace. Le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Et bonne intervention. C'est bien repoussé, ça. Tiré dans la surface. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Aucun problème. On avait une bonne équipe la saison dernière. On se sortait beaucoup mieux. Genre, c'est quoi ça? Après, il y a l'enchaînement des matchs et la fatigue, mais quand même. Des solutions en attaque. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Toujours en possession. Ah, sobre, mais efficace. Super intervention. Touche à venir. Pour Campbell. Allez les gars. À sous pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Et l'équipe récupère le ballon. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Il peut frapper. Oh le pétard. Le gardien. Oh dommage. Quel arrêt. À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Ça va vers le point de pénalty. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. L'équipe a beau ne pas jouer devant son public. Elle monopolise le ballon depuis un petit moment. Le tout en se créant pas mal d'occasions de marquer à nouveau et de faire le break. Ça va être compliqué pour le rival maintenant. Et pourquoi pas une nouvelle situation à venir. Ah, le premier défenseur s'interpose sur ce centre. Yalo.
Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Ah, le centre ne passe pas. C'est merci. Bien défendu. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Le tir peut oh, c'est but ça. Pour réflexe, le ballon est repoussé. C'est dégagé ce ballon. Attention, parce que c'est un arrêt qui va avoir son importance. Il permet d'éviter à leur adversaire de revenir à l'égalité. Et après ça, peut-être une bonne réaction maintenant. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Oh oui, ce but! Et ce but qui va faire du bien et qui permet maintenant de mettre leurs adversaires à deux longueurs. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et pour comme ça, hein. La conclusion de la tête, du début à la fin, c'est une action magnifique. Akram Afif. Même s'ils ont plus d'énergie, je m'en fous, je veux gagner le match. Pour ça, je fais ça. Radovanić. Ouais, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Ah, le danger est écarté. Sorti en touche. Le geste est manqué et le ballon file en sortie de but. Et sur ce match, sa performance est plus que décevante. Très peu d'impact sur la ligne d'arrivée. Vous savez, il y a une phrase célèbre du grand Maradona. Rentrer dans la surface et ne pas arriver à frapper, c'est comme danser avec sa sœur. C'est une première mi-temps très compliquée pour cette équipe devant son public. Et heureusement. Bien joué, oui, vous avez vu ça. Ça, c'est but. Ouais. Voilà le but. Well, décevant, allez dans ta gueule. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Et ce crochet pour revenir dans l'axe. Ah, tu vas finir défenseur central, hein, les gars, je vous le dis. Ah, c'est raté, dommage. Afif. Et voilà la fin de la première mi-temps. L'arbitre renvoie tout le monde. Allez, c'est parti, deuxième mi-temps, et pour les Sénateurs, il y a toujours ce but de retard. Ah, il résiste bien à la pression. Oui, c'est bien fait, il est passé. Crochet intérieur, il va aller provoquer dans l'axe. Non mais... Oui, la frappe. Mais Richie... Et c'est au fond. Je rentre en jeu. Je rentre en jeu. Avec un avantage de 2 buts maintenant et ça commence à être plutôt confortable. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Afif, voilà une attaque qui progresse bien. Oh merde. Ah non, finalement le ballon est perdu. Il y a un gros pressing. Ah, je fais frérot. Hein.
Et voilà, un ballon récupéré. Oh mon con. Diallo. Il prend sa chance. Un bon arrêt du gardien. Fou lui. À de toute évidence, c'est le buzz à suivre sur les réseaux. Qu'est-ce que je fais ? Que cet éventuel transfert a de quoi nous passionner. Et oui, toujours beaucoup de rumeurs, mais parce que le football, c'est comme ça. On aime en parler, discuter, débattre. C'est ça la passion du football. Regardez, regardez. Et le ballon tout droit vers le gardien, sans danger. Ah mais Hector il part pas en fait. Pour retrouver la possession. Il y a du monde en soutien. Ah, la conclusion peut-être sur ce ballon. Ah le bon réflexe là. Oula. Et un petit rappel avec cette prochaine affiche qui nous attend. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Ah, oh, chouïa trop fort, je suis dégoûté. Merde, la passe est forte. Oh là. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Ouais, superbe défense. Ah, le contre est possible. Et le contre était intéressant. Qu'est-ce que j'ai branlé ? Ballon récupéré par la défense. C'est contré sans problème. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc. Va enlever des joueurs là. Kenan, tu sors, ouais. Pas trop percutant. Déjà. Et le staff décide donc de faire un changement. Et le ballon passe à plusieurs mètres du but. Un coup franc complètement raté. Mais c'était pas pour lui. Ouais, le pressing est efficace là. Ouais, tu devenir fou, c'était pas pour lui. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Près du but, le ballon est bien ajusté. C'était pas censé être pour lui, enfin de base. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Le Colombo. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. L'idée était bonne, mais la finition, beaucoup moins. Il va falloir. Je vais en mettre en tactique, je vais devenir fou sinon. Rapidement se relancer pour recoller au score. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Je vais devenir fou sinon. Hein. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Bonne possession offensive. Ah, il faut tirer là. Et le gardien était bien vigilant. Voilà, le placement intervient. Là où j'avais pas vu Bianco. Je vais le faire rentrer. La défense a le ballon, mais ce n'est pas totalement terminé. Ah, elle est contrée cette frappe. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis.
faut centrer là-dessus. À l'occasion de faire parler sa frappe. Mais wesh. La bonne parade du gardien. Ah, il vient frapper ce corner. Intervention et donc danger écarté. C'est pour le gardien sans problème. Allez. Ouais, il s'est donné en retrait. Bah c'est but. Et putain. Le gardien s'illustre bien. Ah, ils savent pas tirer, c'est comment ? 5 minutes encore à jouer dans ce match. Les gars, moins le nul, genre. Putain, non, ça va pas être possible, j'ai pas eu le timer. Le centre dans la boîte. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et peut-être une option pour... Allez, Casadei, t'es tout seul. Il a pas osé tirer, je vais hurler. Elle est en bonne position là. Et quel arrêt sur ce ballon, le danger est écarté. Énorme réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Vers le point de pénalty. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Akram Afif. Afif, excellente intervention. Putain, mais comment on perd ? C'est ouf ça. J'adore leur gêne, avant que ce soit fini. Après, ils ont des 62. Ouais, c'est une équipe un peu comme nous, mais... Finalement, ça n'ira pas plus loin. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Olé, belle technique là. Ça y est, c'est terminé, on va donc en rester là et pour l'instant, rien de définitif, l'espoir est toujours... 19 tirs à 10. Ils ont refait nul, c'est une dinguerie. J'espère. J'ai même pas vu les poules de LDC d'ailleurs. Ouais non. Checker un peu les poules. Ouais. Chelsea, ok. United aussi. Il y a Naples. Il y a Rome. Real, Dynamo, Sporting, Aston Villa, ok. Atletico, City, Celtic, Malmo. Ils sont tous à 5, c'est ouf. C'est très marrant ça. Arsenal, Leverkusen, Benfica, rapide. C'est le rapide. Oh, il y a Juve, Paris, Ajax, Athènes. Putain, ça joue ça. Oh là, la duo dans la... Quoi ? Ah ouais ? Barça, Dortmund, Gang, Prague. Ok. Ok. Bon allez, tchis, on va le simuler de toute façon. Hop. Let's go, but de Richie, bien joué. Je sais pas comment on le gagne, frère. Oh, attends, première victoire du Genoa. Exploit de fou. C'était face à qui, j'ai pas fait gaffe. Lecce, je crois, non ? Non, Lecce, c'était nous. Tout à l'heure. Voilà, et on reprendra face à Torino la prochaine fois.
La Roma qui s'envole. Ok. Y a quoi, Torino? Ok. Ok, ok. Non, mais qu'est-ce que je fais? Là, je voulais faire. Oh, lui, on s'en fout. Kerr aussi. Oh, j'ai jamais changé lui. Central, c'est parfait lui. J'attendais que ce soit le libéraux après. Ou stopper. Je sais pas. On verra bien. Ouais, bah lui va avancer aussi. Coyote, je vais le laisser défensif, même si de base il est assez offensif d'ailleurs. Ouais, non, j'avoue, un point quand même, ça se prend. Moyen en défensif, offensif, arrière latéral. Hein. En arrière latéral, il est déjà assez rapide. Pas besoin de plus rapide pour lui. Marc, ça peut complet. Meneur de jeu relayeur, ouais. Putain, ça c'est le meilleur truc pour lui. Incroyable. C'est ce que je pensais faire pour lui, donc parfait. Lui, il veut juste passer défenseur central, je pense. Hein. Non, je vais laisser un but en 6. Faudrait que je traîne les ça quoi, celui-là là, le relayeur. Passe courte et longue. Je lui demande pas de tirer, on s'en fout. Hein. Mais c'est un vrai joueur défensif. Merde. Ma fille, j'ai pas changé je crois. Si, non. Lui, on va laisser meilleur de jeu quand même. D'ailleurs, on parle pas Fundy. On changera après. Lui, il a encore pris un point, c'est cool. Il a joué qu'un match. Pauvre. Posito. Colombo, milieu offensif, c'est bien ça. Colombo, il joue à droite, je crois. Il joue à droite. En plus qu'il soit Dynamo en vrai. Hein. Prennent de la stat en tir aussi. Hein.
Merde de jeu offensif, en vrai, s'en fout un peu. Qui progresse un peu partout, lui, en vrai. Toi, t'es très bien comme ça. Non, pour la finition pour lui. Pff, on s'en fout en vrai. On s'en fout, mais on met un plan quand même pour dire allez. Bon, on a quoi au programme la prochaine fois? On a que des défaites, sinon on a que une victoire quoi. Bilan horrible. Depuis le début de la saison, on a fait nul défaite, nul défaite, victoire défaite, nul défaite, victoire 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 défaite, défaite 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 victoire. Ok, ça va être chaud. On va vraiment miser l'Europa League, hein, je vous le dis. Oula, il se passe quoi? Je vais checker un peu les stats pour le moment. Oh Jesus. Hector qui commence à monter un peu. Colomboidi ? Ah ouais ? Est-ce qu'il faut l'Atalanta lui ? C'est exactement son profil qu'il faudrait à l'Atalanta, ça c'est, je suis d'accord, mais... Ok. Ah là, la passe D, ouais. Ouais, ouais. Quoi ? Bon ça on est deuxième. On fout deuxième même. Genre c'est sans prendre de but je pense. Ouais bah y a 5 matchs où on a pas pris de but et on n'a pas perdu ouais. Ça doit être ça. 4 victoires, 3 clean sheets ça ouais mais... Ça devait être 2 nuls, 2-0-0 je pense du coup. Ouais, peut-être. J'ai Darwin, j'ai pris 2 rouges. C'est quoi ça? Ça aurait été incroyable. Un duo Lautaro Osimhen, je suis dégoûté. Ah, il y a Sarzan qui est là quand même. Hector. Quand même là, lui. Y a quasiment tous les prêtés, ils ont pas de match, je suis dégoûté. Ta Colombo il a mis qu'un but. Ah, au moins un fiche, il a mis la passe D, ouais. Vraie bonne recrue, Krunic, hein, putain. Y attendez pas, hein.
Je sais pas si je change de compo la prochaine saison. Mais c'est pas notre priorité. Avant, on a toute la saison qui est là. Je sais pas comment qu'on va faire. Hein. Bon. Bref, sur ce, je vous laisse là.